Imaginez que vous devez forcer une carte, et le spectateur doit avoir le sentiment qu'il a vraiment le choix. Avec des gestes simples, des gestes lents, des conditions de laboratoire, un peu comme dans un casino, un jeu de cartes que vous auriez mélangé, le jeu de cartes que vous utilisez habituellement, comme ça il n'y aurait pas besoin de changer de jeu de cartes pour faire d'autres tours. Vous utiliseriez quoi ? Moi j'ai bien une idée, j'ai un principe qui répond exactement à ces conditions. Je l'utilise depuis plusieurs années. C'est un forçage qui se suffit à lui-même ou que vous pouvez combiner avec d'autres effets. Quand j'ai envie de faire de mon forçage un effet, ou plus souvent encore quand l'ensemble de ma routine repose sur un forçage, c'est celui-là que j'utilise. Et maintenant, vous allez vous aussi pouvoir l'utiliser. We'll be right back.